Michel Derdevé, qui est un habitué du Lonzac maintenant, depuis un certain temps, et secrétaire général et membre du directoire de RDF, c'est-à-dire les lignards, ceux qui installent les lignes électriques, confronté lui également, non pas à l'étroitesse du territoire français, mais à la nécessité du développement de l'électricité hors de France, et donc avec un abord, ou en tout cas une approche sur la question de la localisation, des localisations à la fois industrielles et spécifiques. Et je te dis, à toi Michel. Nathalie, bonjour à toutes et à tous. On parlera peut-être d'électricité un petit peu à la fin de mon intervention. D'abord, un petit retour sur le mot « délocalisation ». C'est un mot qui est anxiogène pour les Français et qui a été, à mon avis, utilisé et surutilisé par les politiques pour entretenir cette caricature. Et rappelez-vous, Houellebecq lui-même nous théorise une France qui serait réduite finalement au tourisme, au roquefort, à la truffe du Périgord et aux confitures des monédières qui sont par ailleurs excellentes, comme chacun sait. Et donc, derrière cette allégorie, la nostalgie d'un paradis industriel perdu, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a d'abord une réalité. Ça a été peut-être pas suffisamment abordé à la table ronde numéro 1. La réalité, c'est que, oui, il y a des emplois industriels qui disparaissent. 700 000, nous disent les statistiques, entre les années 2000 et aujourd'hui. On a un autre indicateur, nous, dans l'électricité, c'est la consommation électrique industrielle. Consommation électrique industrielle, elle chute de moitié entre le début des années 2000 et aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a des sites industriels lourds qui ont disparu du paysage, qui sont allés ailleurs. Faut-il pour autant voir ça de manière nostalgique ? Peut-être pas, il y a de la transformation à la clé. François Racheline tout à l'heure évoquait le fait que dans le même temps, des emplois de service étaient apparus, avaient compensé en partie. Et donc on a une réalité, c'est qu'on est dans un pays qui vit un chamboulement industriel, comme beaucoup d'autres économies, les États-Unis, certains pays européens, qui se replace dans la logique de la mondialisation, avec plus ou moins de talent qu'Olivier évoquait tout à l'heure. Et cette logique de la mondialisation, est-ce qu'on doit la vivre comme certains dessineurs publics, la caricature, comme un dumping social déloyal de la part des pays pauvres ? Ça, ce serait nous amener à une réponse qui serait la fermeture des frontières, le repli sur soi, et on sait que ça serait négatif pour la compétitivité de nos industries et pour aussi les projeter dans les marchés externes. Puisque quand même une entreprise n'a pas vocation, et quand tout à l'heure on regardait l'exemple des herbes aromatiques, elles n'ont pas vocation à servir uniquement le marché régional ou national. Elles ont d'un régal à vocation à être un grand acteur mondial, tout à l'heure ça nous était rappelé. Donc le repli sur soi est dangereux, parce que c'est une vision qui satisfait l'électorat, qui peut correspondre à un moment donné où le repli sur soi, l'individualisme est gagnant, mais au plan économique, Ricardo, tout à l'heure Olivier l'évoquait, Ricardo il a écrit quelque chose qui s'appelle « L'essai sur l'influence des bas prix du blé sur les profits du capital » en 1815, et il disait que le consommateur est gagnant, car il y a le mécanisme qu'Olivier nous projetait. Alors, la délocalisation, c'est un phénomène ancien, économique, Olivier Lecomte le rappelait avec talent tout à l'heure, sauf que ça a changé quand même ces 20-30 dernières années. Pourquoi ? Parce qu'on a eu d'abord une diminution des coûts du transport. Aujourd'hui, amener du charbon américain excédentaire depuis que le gaz de schiste se développe aux États-Unis, c'est possible. Ça amène les Allemands, contrairement à ce qu'ils nous racontent, à faire redémarrer des centrales au charbon et à produire une énergie émettrice de CO2, mais localisée en Allemagne. Allez comprendre l'histoire quand le discours idéologique nous dit « on est les leaders du renouvelable en Europe ». Ça, c'est la réalité de la diminution des coûts de transport qui fait que les Chinois continuent et vont continuer dans les années à venir à consommer majoritairement, à produire majoritairement à partir de charbon, mais peut-être du charbon non pas chinois, mais du charbon américain ou d'autres contrées. Deuxième changement fondamental, c'est la libre circulation des marchandises. Olivier évoquait aussi le GATT. Les droits d'entrée dans l'Europe au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'était 40%. Aujourd'hui, un produit qui vient d'un pays tiers hors d'Europe, il est taxé 4%. Donc ce phénomène-là, il est là. Donc la réponse des nationalistes et des souverainistes va être « remettons des barrières ». Est-on sûr, encore une fois, que c'est favorable à notre économie, notre industrie ? J'en doute fortement. La troisième révolution sur laquelle on a un entrant qui est difficilement évacuable, c'est Internet, c'est les nouvelles technologies de l'information. Si un habitant du Lonzac va sur Internet, trouve un produit qui lui plaît... Et tape www.rencontreduLonzac.com. En plus, il peut le faire en plus, il peut faire plusieurs surfs à la fois. Il va peut-être être tenté de commander plutôt que d'aller à Tulle vérifier, intercomparer devant la vitrine de tel ou tel commerce. C'est une donnée de base, c'est un entrant par rapport auquel toute la filière industrielle et des services doit se réorganiser.
On n'a pas évoqué depuis ce matin le rôle qui, moi, me semble fondamental de l'État là-dedans. Si, Eric l'a évoqué brillamment à travers Colbert, et l'héritage de l'État-puissance. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'État peut faire? Alors, Arnaud Montebourg, cet après-midi, nous en parlera sans doute. Il y a deux volets d'action d'État. Premier élément, l'État-pompier. L'État-pompier, ça, c'est nécessaire. L'État-pompier, grâce à l'action notamment des commissaires à l'industrialisation qui ont été mis en place depuis 2012, on a 88 000 emplois industriels sauvés sur les 100 000 qui étaient en difficulté. Donc l'État, oui, doit faire appliquer le droit, pas plus. Il ne doit pas aller au-delà, il ne doit pas faire du protectionnisme, mais l'application des règles de droit sur les territoires français, ça peut faire partie du rôle régalien de l'État. Deuxième élément que l'État peut faire, ce n'est pas interdit, l'Union européenne au titre du libre-échange s'en soucie un petit peu, c'est le Made in France. Alors tout le monde s'est moqué d'Armor Luxe et des... Mais après tout, si on ne dit pas du bien de nos produits, d'autres pays le font. Pour mémoire, l'Espagne l'a fait, d'autres grands pays dans le monde, et ça, ça fait partie du rôle que l'État peut faire en promouvant les entreprises françaises, notamment à l'export. Mais on voit bien que ce n'est pas structurant. Dans le rôle de l'État, il va être plutôt dans ce que moi je qualifierais d'État stratège. L'État, il doit arriver à travailler sur ce défi d'image, sur positiver. Je ne sais pas si vous avez vu la une des Échos, c'était jeudi matin. Le titre des Échos, c'était « La France gâche ses atouts ». Alors, moi, j'étais curieux à l'approche du Lanzac, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et on nous parle d'une enquête menée auprès de quelques industriels participant au forum de Davos. Et cette enquête qui conclut, bien sûr, que le principal pays attractif dans le monde, c'est la Suisse. Quelle est l'objectivité de ce travail? Je parle à Bruno Jean-Bart qui est encore là, par rapport à un titre économique qui va noircir, qui va encore une fois développer l'idée qu'on est un pays qui n'est pas compétitif. Le jour où on se met dans un rythme et dans un style de communication positif où on valorise les succès d'Aregal, Pitch et d'autres qui existent, j'étais dans le Land le week-end dernier, sous les pommiers, il y a plein de PME innovantes qui se développent, qui créent des emplois, qui en parlent. Je préférerais que les Échos titrent sur des belles histoires localisées dans les territoires français plutôt que de continuer à nourrir le discours négatif et anxiogène. Qu'est-ce que l'État peut faire au titre ? Merci. Qu'est-ce que l'État peut faire et doit faire ? C'est miser sur la formation. La formation, l'éducation, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que c'est différenciant, et sinon on va avoir de grandes entreprises françaises qui vont aller à l'extérieur faire former leurs cadres ou acheter de l'expertise. Valeo, Schneider, Faurecia sont allés ces derniers temps en Chine, en Inde et ailleurs pour trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Miser sur la formation, c'est le rôle de l'État. Se soucier que les filières existent et que de la formation jusqu'au métier d'ingénieur qui était évoqué tout à l'heure, on ait de la compétence, de l'expertise, c'est une garantie sur le moyen long terme. L'innovation aussi, paradoxe, la France elle est cinquième pour la recherche et le développement, dans la dimension recherche fondamentale, mais elle est 24e pour l'innovation. Donc ça veut dire qu'on a là un problème de transformation dans la chaîne entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la production. L'État, il doit se soucier de faire que tout ça, ça se réemboîte, et c'est en cela que je trouve que, à titre personnel, toute la stratégie des investissements d'avenir, 2-3 milliards investis sur les 10 ans, par exemple dans le numérique, c'est performant. Qu'est-ce que l'État peut faire aussi, troisième point, c'est bien gérer les transitions. Les transitions, c'est la transition vers le numérique, c'est la transition vers l'écologique. Savez-vous que dans votre iPhone, beaucoup ici ont un iPhone, il y a deux pièces détachées qui sont de fabrication française. Le discours que j'entends sur l'iPhone, c'est les Chinois l'assemblent, c'est du dumping. Non, il y a des PME françaises qui vivent parce qu'elles fournissent Apple. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, parlons de ces éléments-là à valeur ajoutée qui peuvent nous amener à avoir des entreprises brillantes, Soitec, Gemalto et d'autres, qui créent des éléments d'emploi et de dynamique. Et on parlera tout à l'heure peut-être de Linky, qui est le compteur communicant que le Premier ministre a décidé d'engager et sur lequel des industriels français derrière peuvent et pourront créer des emplois. Dernier point, Nathalie, pour terminer, il ne faudrait pas, dans tout ce débat sur la délocalisation, relocalisation, non-localisation, oublier, ou plutôt caricaturer, l'industrie et les services publics. C'est parce que nous avons en France et nous maintiendrons un service public de qualité dans la santé, dans l'énergie, dans une série de domaines, c'est parce que nous aurons 36 000 salariés de RDF capables de raccorder à la demande vite, de manière performante, n'importe quel client, que le territoire France sera attractif, qui pourra attirer des entreprises,
Le temps de coupure en électricité, c'est un indicateur mondial de l'attractivité des territoires. Et donc arrêtons le discours qui consiste à opposer la France des entreprises et la France des services publics. Un système de santé performant fait que des entrepreneurs au plan mondial peuvent envie de venir au Lonzac ou à Tulle implanter une entreprise. Et ce message de réconciliation, il est temps qu'il soit tenu. Merci. Merci Michel.